Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes de la patrie de la vraie fraternité, je vous salue. Pour mon émission numéro 75, le thème est sur le concept Ivoirois et Ivoirienne. Il faut que vous compreniez que si aujourd'hui nous sommes dans la tourmente où nous sommes, c'est à cause de tout ceci. Voyez-vous, à l'indépendance de notre pays, déjà, on nous colle un nom de poisse. Ivoirien égale il ne voit rien. Où nous en sommes? Nous sommes tous conscients que le nom agit sur la destinée de quelqu'un. Tu sors à peine de la colonisation, ton pays devient indépendant, et tu as un nom là qui te dit que tu ne verras rien. Oh, quelle calamité! Évidemment, on n'a rien vu. On n'a fait que de grosses bêtises et de bêtises en bêtises. On a envahi notre administration par des étrangers. Alors que nous savons très bien que chez eux, là-bas, ils ne sont même pas prêts à faire ça. Soit disant parce qu'on a eu des enfants avec eux. Mais partout, on fait les enfants avec des étrangers. Mais on protège quand même l'autochtone qui est chez lui. Mais nous, on ne pouvait pas faire ça parce qu'on était dans un esprit de rien d'eux. En fait, la gloire qu'on aurait dû avoir à l'indépendance de notre pays, si on avait porté un nom comme Ivoirois et Ivoirienne. Parce que le roi a lu son rôle, c'est de protéger son peuple. La reine, elle aide son mari à cet effet-là. On met des lois, on met des règles, on met la sécurité, on donne les moyens à tout un chacun de vivre décemment. Nous, on ne pouvait pas faire ça. Oh là là, on ne pouvait pas faire ça. Mes frères et sœurs, on ne pouvait pas faire ça. Parce que cette poisse-là qui était collée sur nous, ils ne voient rien. En fait, on ne voyait rien. Ces étrangers-là, ils nous narguaient. On va vous tuer après votre pays. Ils nous disaient ça. Mais on était dans un esprit de rien. Oh, qu'est-ce qu'il peut faire? Oh, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais quelqu'un que tu as accueilli chez toi, en fait, la personne, tu lui as mis dans ta chambre et toi, tu es allé dormir au salon. Cette personne, tu l'as tellement aimé que tu as préféré lui sacrifier ton bien. Voilà, tu laisses tes enfants mourir de faim. Pendant ce temps, les bourses d'études et tout ça, c'est pour les enfants des étrangers. De toute façon, eux, ils ont envahi l'administration. Et aujourd'hui, ils ont pris maintenant la politique. Déjà hier, le commerce, ils avaient. Pourquoi? Parce que, puisqu'ils sont dans l'administration, ils prennent des crédits et ils donnent à leurs parents. Donc, ils payent des gros cas et puis ils conduisent. Et puis, pendant ce temps, nous, là, qui sommes chez nous, on n'a pas de boulot, on n'a rien du tout. Et ils nous narguaient. On va vous tuer, vous les Ivoiriens, là, pour votre pays. Et pendant ce temps qu'ils nous prévenaient de ce qu'ils allaient nous faire, puisqu'on était dans l'esprit de rien d'eux. Oh là là. C'était impossible pour nous de voir quoi que ce soit. Le fait d'accueillir l'étranger chez soi n'est pas un mal en soi. C'est la façon dont nous les avons gérés. Nous nous sommes sacrifiés, nous et nos enfants, pour eux leur bien-être. Et ils n'ont pas été reconnaissants à ça. Ils ont été ingrats. Et aujourd'hui, c'est comme tu donnes le doigt et quelqu'un veut te prendre la main et après la main, le bras et puis te prend tout le corps. C'est ce qu'ils ont fait de nous. Ils nous tuent, ils nous mettent en prison. Ils sont contents, c'est normal. Quand ils savent que chez eux, des mis même de ça, ils ne vont pas faire. Mais parce que nous étions dans un esprit comateux, nous appelons des Ivoiriens, on ne voyait rien, on ne comprenait rien. La preuve étant encore dans ce concept d'Ivoiriens là, aujourd'hui, celui-là même qui a permis que cette rébellion soit, ait lieu, c'est ce Guillaume-là, parce qu'on est encore dans le rien. Parce qu'il a tué nos parents, il a pris l'argent. Nous, on veut qu'il vienne maintenant pour nous achever, parce qu'on n'entendait pas tous morts. Ah là là. Vous voulez changer quelque chose avec ça? Ce n'est pas possible. Il faut quitter dans le rien de Ivoirien. Devenons tous, peuple de Côte d'Ivoire, des Ivoirois et des Ivoiriennes. Nous allons changer de mentalité, nous allons changer de conception, nous allons changer de façon de faire et nous allons comprendre que tout ce que nous avons fait hier, c'est parce qu'en fait, on était dans un esprit comateux, on était dans un vide. En fait, mais le rien, c'est quoi? Le rien, c'est un vide, c'est un néant. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, en fait, on était inexistant. Ah, aujourd'hui, l'Amazon vous dit, si vous voulez pouvoir un jour réunir notre pays. Si nous voulons un jour pouvoir nous aimer les uns les autres, plutôt que de nous aimer contre les uns contre les autres qui ont permis à l'étranger de s'accaparer notre pays, quittons dans le rien. Devenons des Ivoirois et des Ivoiriennes. Retrouvons notre gloire. Nous allons commencer. Et je vous dis, le nom là, ça agit sur la personnalité de tout un chacun, sur ta destinée. En fait, si tu devais être un roi, si on te donne un nom minable, tu deviens minable. Dans la mentalité, dans le comportement et dans la façon de voir. Voilà ce que nous avons été, peuple de Côte d'Ivoire. Oh!
Adjane. Quand Abidji dit Adjane, c'est que c'est grave. Donc je vous dis qu'aujourd'hui, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons d'abord changer de nom. Afin que nous changions de comportement. Afin que nous changions de mentalité. Et que nous mettons des lois et des règles dans notre pays. Pour que ceux qui vivent avec nous vont nous respecter. Et vont respecter nos règles. Parce qu'ils savent. Pas parce qu'ils font la méchanceté qu'ils ne savent pas. Ils savent que chez eux, ils ne vont jamais accepter ce que nous avons accepté dans notre pays. Parce que nous étions dans un esprit de rien neuf. Alors quittons dans le rien et retrouvons la gloire que nous avons dû avoir depuis l'avènement de notre pays. Si nous avons pris ce nom-là, qui est l'Ivoirois et l'Ivoirienne. Combien de fois je vais vous expliquer ça? Combien de fois je vais vous expliquer qu'on ne peut rien faire si nous continuons dans... Même si aujourd'hui nous changeons de leader, qui est évidemment le docteur Isaïe Ngora, que nous donnons le pouvoir au président du Revas, et que nous changeons, nous retournons à nos valeurs sources, n'est-ce pas? Nous puisons nos forces afin de réfléchir en gloire. Hein? Et que nous devenons tous des corps et que nous aimons notre maman. Il faut changer de nom. Il faut changer de nom. Nous allons nous aimer les uns les autres. Nous allons nous respecter les uns les autres. Nous allons comprendre que ce pays, que la Côte d'Ivoire, appartient à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus ivoirois que l'autre pour s'approprier du patrimoine de tout un pays. Vous comprenez? Mais c'est parce que nous allons devenir des Ivoirois et des Ivoiriennes que notre mental va changer, notre comportement va changer et nous allons retrouver la gloire. Vous verrez. Vous allez commencer à réfléchir autrement. Vous allez être fiers de vous et fiers de votre pays. Vous n'allez plus lécher les bottes de qui que ce soit, n'est-ce pas? Parce que vous aurez retrouvé la gloire. C'est aussi simple que ça. Quand on veut, on peut. On se donne les moyens et on l'obtient. Alors nous, peuple de Côte d'Ivoire, demain, nous allons tous, même pas demain, commençons déjà à nous appeler Ivoirois, Ivoiriens. Afin de quitter dans l'esprit rienneux et d'arrêter de faire de grosses bêtises. N'est-ce pas? Voilà ce que nous devons faire. Si nous voulons un jour avoir un pays normal, afin que nos enfants puissent avoir des bourses voilà, à l'école, afin que nous soyons heureux tout simplement d'être des Ivoirois. N'est-ce pas? Donc, mon message aujourd'hui, chers compatriotes, c'était ça. Devenons tous des Ivoirois et des Ivoiriennes. Soutenons nos maris. Enlevons les dans l'esprit comateux dans lequel ils sont et qu'ils comprennent qu'ils ont été dans l'erreur et qu'ils aient le courage de leurs opinions, qu'ils deviennent des hommes parce que nous avons besoin d'être fiers d'eux. N'est-ce pas? Frères Ivoirois et Ivoiriennes. Sœurs Ivoiriennes, soutenons nos maris afin que demain, notre pays puisse être un pays comme tout le monde, comme tous les pays. Car aujourd'hui, notre pays est l'exception de la règle, n'est-ce pas? Vive le Revas pour que vive une Côte d'Ivoire digne et prospère. C'était l'Amazon de Kensi dans les brefs de Andalus. Paix et joie à la Côte d'Ivoire et à bientôt.